Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Top Game Video. C'est parti pour une vidéo Battleland Royale saison 14. Je vais vous parler de la mise à jour qui va arriver très bientôt. Donc la mise à jour arrive normalement jeudi, donc demain 18 mars. Ça va arriver normalement, je pense, selon moi, dans la matinée, fin de matinée ou au plus tard début d'après-midi. Ça ne tient qu'à moi, mais normalement c'est jeudi la mise à jour, le 18 mars. Donc comme vous voyez, je vous présente déjà la première image du jeu. Donc c'est l'écran de démarrage, vous voyez les 5 nouveaux skins. Je vais vous donner maintenant plus de détails sur cette nouvelle mise à jour. Je vais vous parler de vraiment pas mal de choses. Donc je vais commencer tout d'abord pour déjà vous dire dans cette saison 14, tout va se tourner autour du monde Tirsk. Donc vraiment tout, comme vous voyez, les skins sont aussi un peu verts, il y aura toujours ce vert un peu partout dans cette saison 14 et dans toutes les nouveautés que nous a ramené Future Play. Donc let's go, direction les skins. Donc voilà, surprise pour vous, vous avez beaucoup de joueurs Battleland, beaucoup d'abonnés sont toujours un peu insatisfaits. Il y a juste deux ou trois nouveaux skins et puis voilà. La Future Play nous amène 5 nouveaux skins. Donc je vous les présente de gauche à droite. Donc nous avons tout d'abord Camilla. Ensuite nous avons la deuxième depuis la gauche, Maria Curie, qui est la scientifique. Ensuite au mieux Sammy. Le petit bonhomme vert, Tirsk Bones. Et tout à droite, le nouveau skin légendaire, Tirsk Boss. Donc voilà, les 5 nouveaux skins. Je vous montre encore le détail de ces 5 nouveaux skins. Malheureusement, les images fournies par Future Play sont actuellement que en anglais. Donc là, vous voyez le nom et le petit détail de chacun des nouveaux skins. Donc là, pour Camille. Là, pour Maria Curie, qui est... la scientifique de Tirsk Corporation. Elle a également gagné 2 fois le titre de l'employé du mois. Ensuite, vous avez Sammy, qui est le présentateur de la télé Tirsk, des nouvelles. Et voilà. Et nous avons Tirsk Boss, qui est le CEO, c'est-à-dire donc le directeur de Tirsk Corporation. Et là maintenant, le dernier skin que je vais vous présenter, ce sera un skin qui sera dans le nouveau pack de cette saison 14. Donc voilà le pack. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez de ce nouveau skin. Donc c'est le skin Bambi, mais en vert. Ouais, voilà, à découvrir, mais ça peut être marrant. Donc on va passer maintenant au nouveau consommable pour cette nouvelle saison. Donc nous avons le consommable qui s'appelle First Aid, ce qui veut dire premier soin. Moi je trouve que c'est bien, ça va un peu changer le jeu parce que ce premier soin, ce qu'il peut faire, il peut justement donner de la vie à toute l'équipe. Donc vraiment à jouer lorsque vous jouez, ben voilà, en équipe, parce que vous pouvez donner de la vie vraiment aussi à vos coéquipiers. Je trouve ça pas mal. Je vous montre juste, j'ai une image également comment ça se passe dans le jeu. Donc je trouve que la surface est quand même assez large et que votre coéquipier ou vos coéquipiers, si vous jouez en squad, ils peuvent également se donner de la vie lorsqu'il y en a un qui met son consommable. Franchement, pas mal. Ensuite, ben voilà, surprise, on a également une nouvelle arme. Voilà, la nouvelle arme, ben ça se Heavy Rifle, ça s'appelle en anglais. Donc moi je pense que c'est comme Heavy, ça veut dire lourd. Rifle, c'est un peu comme je crois que ça veut dire un peu comme mitraillette. Donc une mitraillette lourde, donc c'est vraiment une arme qui va mettre beaucoup de dégâts. Je suis juste en train de voir comment ce que ça s'appelle, de Heavy Rifle, le fusil lourd qu'ils appellent ça en français. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà, ensuite donc on a vu l'image. Hop.
Ouais, l'image, c'était ça. Vous voyez qu'il est en train de jouer là. On la voit pas très bien ici, là. Ouais, ce fusil lourd. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de trois skins qui étaient avant des skins rares et qui deviennent maintenant des skins légendaires. Donc voilà, le premier, nous avons ce skin. Donc moi, j'ai les noms en anglais, parce que je sais pas les noms par cœur. Foxtrot. Ouais, je trouve pas mal, je trouve même qu'il est mignon. Et là, bonne nouvelle pour le prochain skin, parce que c'est le skin officiel TGV, donc de ma team. Voilà, Mr. Infiltration. Et puis là, en anglais, Mr. Breach. Donc voilà, je savais pas que le skin TGV allait devenir un skin légendaire, mais je trouve c'est une très bonne nouvelle pour mon équipe. Et pour terminer, un des skins, je sais pas, un des skins qui est très très rare dans le jeu, Raoul, qui devient également skin légendaire. Franchement, je trouve qu'il est stylé avec son nouveau équipement. Ouais, c'est ouais avec sa nouvelle tenue. Franchement, joli. Maintenant, je vais vous parler de tous les nouveaux drapeaux qui vont arriver dans le jeu. Comme je vous ai dit, beaucoup va tourner autour du Tirsk. Donc voilà. Quel code? Vous avez toujours ce vert, cette image du Tirsk. ID tag, Tirsk Operation et Tirsk Sports. Vous allez voir maintenant les nouvelles armes mêlées, disons justement quand vous jouez à la main. Ben voilà, c'est. Vous avez la baguette pour les joueurs français. Vous avez Cité, c'est les pioches ou comme ça. Vous avez Tircepteur. Et ça, c'est un de mes préférés, le prochain que je vais vous montrer. Le Tirsk Shot. L'injection. Donc pourquoi pas. Et voilà, et ensuite, l'épée Tirsk. Ensuite, ben. Les nouveaux parachutes, ben voilà, tout tourne autour du Tirsk, Tirsk Band, Tirsk Antenne, Tirsk Nof, Top Secret et Vial. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Donc je vais vous faire encore un petit résumé de tout ce qui va arriver dans cette nouvelle saison. Donc vous voyez que sur cette image, je vous ai mis l'écran de chargement. Vous voyez dans le fond les cinq skins, l'écran de chargement. Vous avez en bas ensuite donc la nouvelle arme, vous avez le nouveau consommable, donc vraiment tout ce qui est important pour cette nouvelle saison. Donc, je vais encore vous faire un petit résumé, vous dire tout ce qui va changer. Donc, nous avons les 5 skins. Je vous ai parlé du nouveau pack. Je vous ai dit que ça tournait autour du monde Tirsk. Le nouveau consommable. La nouvelle arme. Au niveau de la map, il y aura quelques changements. Il y aura quelques adaptations. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous mettre un peu des Tirsk. Ils vont nous mettre ces containers verts et tout. Un peu, je veux pas dire partout, mais en tout cas, ils vont nous en mettre pas mal au niveau des maps. Il y aura un nouveau mode qui va arriver, un mode où vous jouez que des armes lourdes. Donc voilà, certainement ce nouveau fusil lourd. Ensuite, je vous ai parlé des trois skins qui passaient de rares à légendaires. Le mode Sniper Fest, c'est-à-dire le mode de sniper, c'était actuellement en solo, ça va se mettre en duo. Je vous ai parlé du nouveau pack qui va arriver, donc le Bambi vert, ce sera le nouveau pack. Et il y aura également le retour d'un ancien pack, Megan the Mech en anglais, Megan la machine, je pense. Ensuite, ben voilà, il y a différents bugs qui ont été changés, améliorés. Donc voilà, la nouvelle saison arrive donc demain, jeudi. Voilà, profitez bien, bonne chance à tous. Si vous voulez encore plus de vidéos Battleland, si vous voulez des concours Battleland, partagez au max la chaîne, les lives, commentez au max. Dites-moi dans les commentaires quel est votre nouveau skin préféré pour cette saison 14.
Donc voilà, on se retrouve donc régulièrement, presque tous les soirs, je live, je fais des parties perso avec les abonnés. Donc vous pouvez vous abonner, mettez la cloche de notification et on peut jouer ensemble avec les abonnés. Likez, partagez, commentez et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo live. Ciao, ciao les potos.